Chrysippe, l'un des plus grands théoriciens du stoïcisme, a dû répondre à un problème majeur de compatibilité entre la partie physique et morale du système stoïcien. Si, comme le soutient Chrysippe, la physique est déterministe, c'est-à-dire que tout est causé par le destin, alors cela semble incompatible avec la possibilité de condamner moralement qui que ce soit. Si tout est dû au destin, alors je ne suis pas responsable de mes actes. Il ne serait donc pas juste que je sois condamné pour ce dont je ne suis pas responsable. Épictète cite Cléante. Conduisez-moi, Zeus, et toi, destinée, vers là où vous l'avez disposé pour moi, car je suivrai sans faillir. Mais si je devenais méchant, et si je ne le voulais pas, je ne suivrais pas moi. Certains philosophes pourraient défendre cette position, et être satisfaits de cette conclusion. Finalement, le destin est peut-être responsable de tout, et personne n'est condamnable, même pour les pires atrocités. Il n'y aurait qu'une illusion de morale. Les stoïciens, cependant, n'acceptent pas cette conclusion. Ils soutiennent que le destin et la responsabilité morale sont compatibles, et même plus, sont interdépendants. Ils font donc partie des philosophes soutenant une conception compatibiliste du destin. En philosophie, il y a au moins trois grandes catégories de positions face au destin. La première est celle qui nie le destin. Il n'existe pas, rien n'est fixé en avance, nous sommes entièrement libres et responsables de nos choix. C'est la position du libre arbitre. Le libre arbitre est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et à penser. Chacun est moralement responsable de ses actes. La deuxième grande position est opposée à la première. C'est celle des philosophes qui pensent que tout est soumis au destin. Nos choix individuels ne sont que des illusions de choix, puisque chacun d'entre eux était déterminé à l'avance. Ceux qui soutiennent cette position soutiennent une forme de déterminisme universel. L'idée du déterminisme universel fut esquissée par le baron d'Holbach, qui le décrit ainsi. Dans un tourbillon de poussière qu'élève un vent impétueux, quelque confus qu'il paraisse à nos yeux, dans la plus affreuse tempête excitée par des vents opposés qui soulèvent les flots, il n'y a pas une seule molécule de poussière ou d'eau qui soit placée au hasard, qui n'ait sa cause suffisante pour occuper le lieu où elle se trouve et qui n'agisse rigoureusement de la manière dont elle doit agir. Un géomètre qui connaîtrait exactement les différentes forces qui agissent dans ces deux cas et les propriétés des molécules qui sont mues démontrerait que, d'après les causes données, chaque molécule agit précisément comme elle doit agir et ne peut agir autrement qu'elle ne fait. La morale semble ne pas avoir de place dans un tel univers. Nous ne sommes responsables d'aucun de nos choix. La troisième grande position face au destin se situe entre les deux premières. C'est la position dite compatibiliste. Le déterminisme et le libre arbitre sont compatibles. Le monde est soumis à des lois déterministes, mais la volonté n'est pas une illusion. La responsabilité morale existe bien que nos choix soient déterminés. Chrysippe a donc soutenu cette position afin de réhabiliter le système stoïcien. Bien que pour les stoïciens, à partir de Chrysippe, le déterminisme et le destin sont presque synonymes, ce n'est souvent pas le cas. Il est possible de penser un destin sans déterminisme, ou réciproquement. Le déterminisme est une théorie qui relève toujours de la physique, alors que le destin appartient au domaine de la théologie. Mais chez les stoïciens, le destin est expliqué par la partie physique du système. Destin et déterminisme peuvent donc être associés. C'est grâce à cette connexion que Chrysippe va pouvoir soutenir que le libre arbitre ne s'oppose pas au destin.
Chrysippe fait intervenir le vocabulaire physique de la causalité pour expliquer en quoi le déterminisme est compatible avec la responsabilité morale. De même que si tu pousses un cylindre de pierre sur un plan fortement incliné, tu as produit la cause et le commencement de son mouvement vers l'avant. Mais que bientôt il roule vers l'avant non plus du fait de ton impulsion, mais du fait que sa forme et sa disposition à rouler sont telles. De même, l'ordre, la raison d'être et la nécessité du destin mettent en mouvement les types réels de causes et leur commencement. Mais l'impulsion délibérative de notre esprit et nos actions effectives sont contrôlées par notre volonté et notre intellect propre. Chrysippe explique que nous jugeons et prenons des décisions parce que le destin nous y conduit. Le destin est le moteur qui engendre nos prises de décision. Mais ce moteur ne nous ferait pas agir si nous n'étions pas pourvus d'une âme capable de faire des choix. C'est uniquement parce que nous pouvons décider que le destin peut nous déterminer à décider. Le destin et le libre arbitre sont donc bien interdépendants. En tant que maillon de la chaîne du destin, nous sommes responsables de nos actions. Une action est en mon pouvoir si j'en suis la cause principale, bien que le destin en soit la cause ultime. La responsabilité morale provient du destin. Selon les stoïciens, la moralité se situe d'abord et surtout au plan cosmique total. C'est de là qu'elle s'écoule jusqu'au plan des vies humaines individuelles. Le destin n'entre pas en conflit avec la moralité, puisqu'il est la structure morale du monde. Nos esprits sont des parcelles de l'esprit divin. Et en alignant nos impulsions propres sur le bien préordonné, nous pouvons atteindre la bonté individuelle et la seule vraie liberté. Êtes-vous d'accord avec les stoïciens ? Soutenez-vous cette idée étrange selon laquelle le destin est responsable de tout, mais que nous puissions être condamnés pour nos actes.